Le dernier film de Batman, L'Ascension du Chevalier Noir, prendra l'affiche vendredi partout au pays. À Sherbrooke, la maison du cinéma a modernisé sa plus grande salle afin de projeter le film en 4K. Cela signifie une qualité d'image 4 fois supérieure à la haute résolution qu'on retrouve dans un cinéma régulier. Les projecteurs qu'on a installés, c'est le summum. Et puis le 4K ici, c'est vraiment le summum. Moi, je dirais qu'il y a à peu près une dizaine de salles au Québec présentement qui sont en 4K. Le 4K, c'est une définition pour les grandes salles et les grands écrans pour aller chercher le maximum sur un écran de 40-45 pieds et plus. Nous ici, en arrière de nous, on a un écran de 50 pieds et plus. Et puis on voulait aller chercher la définition 4K pour une définition comme parfaite. Pour offrir cette qualité d'image, la Maison du cinéma s'est munie d'un projecteur à la fine pointe de la technologie. La montée ici, avec la salle qu'on a, ça a été une aventure. De l'externe, ça a l'air d'une grosse boîte noire. La magie se passe vraiment à l'intérieur. Le film, en fait, nous arrive sur un disque dur. Un disque dur qui est comparable à un disque dur d'ordinateur de bureau. Alors ensuite, nous, on prend le disque dur et on l'insère dans le serveur, en fait. La salle ici pourrait faire du 3D, mais c'est nous qui avons décidé de la laisser en 2D, laisser notre plus grande salle avec un écran en 2D. Les cinéphiles n'auront pas à payer plus cher. Le prix du billet demeurera le même pour les films projetés en 4K. Le premier en français est Chevalier Noir, Dark Knight Rises. Il va en avoir d'autres par la suite, c'est certain. On n'a pas le contenu des films qui s'en viennent. On sait que Hobbit va être en 4K. Ça va être une tendance qui va être dans les années à venir plus importante.